Voici un scarabée. Comme vous le voyez, il y a 6 pattes. C'est une des caractéristiques principales des insectes. Maintenant, regardons l'araignée. Avec 8 pattes, cette bestiole ne se qualifie pas d'insecte. Elle n'a pas non plus le corps divisé en 3 parties. Et bien évidemment, les 1000 pattes ont quelques pattes de trop pour mériter le titre d'insecte. En regardant attentivement, on remarque que leur corps a un nombre excessif de segments pour cet honneur. Les araignées et les 1000 pattes sont des arthropodes, tout comme nos amis les insectes. Les crabes et les scorpions font aussi partie de cet ordre. Or, les insectes sont les seuls parmi les arthropodes à avoir développé la capacité du vol.